Salut mesdames et messieurs, merci pour le support à tout le monde, c'est très apprécié. Je peux pas vous remercier assez. Des changements de direction avec des ovnis qu'on voit ici en infrarouge, on s'en va voir une vidéo absolument incroyable. Écoute, il y a la mission STS-75 de la NASA, qu'à un moment donné, c'est une des seules fois qu'ils ont montré de qu'est-ce qu'il y avait de l'air et des créatures biologiques en espace. On s'en va voir cette mission. On s'en va voir qu'est-ce qu'ils ont filmé aussi en même temps, qu'est-ce qu'il y avait perdu en espace. Un gros objet, à peu près 21 km de long, qui est en train de se faire bombarder par des créatures et des objets qui se promenaient en espace, aussi qui changent de position et de direction. Ici, vous voyez un point noir. Hein, avec une lumière ou une fumée ou un feu à l'arrière de cet objet. Il y a de différentes caractéristiques dans ce que je montre. Puis à part de tout ça, bien sûr qu'on a des objets qui appellent des cratères sur le sol, que selon moi, ça a bel et bien l'air d'objets construits sans faute. On peut les voir assez bien. Hein? En regardant tout simplement ici dans l'image, ben, on le voit très très bien. Est-ce que vous vous souvenez du créature, supposée créature biologique, en théorie, hein, que je vous ai montré, qui faisait une expansion et une contraction? Ça veut dire que l'objet venait plus large et tu le voyais contracter dans le centre. On va aller voir la comparaison avec la mission STS-75, côte à côte, pour voir la comparaison. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de très semblable. À part de ça, on a vu, comme que vous venez de voir là, des lumières sur la surface de la Lune. Trois lumières ensemble, qui font une forme très triangulaire, qui gardent leur même distance, qui se promènent sur la surface. Fumée, boucan, feu. Hein? Boucan, c'est la fumée. Je vous ai appris ça comme mot, hein, québécoise. Il y a beaucoup de boucan sur la surface, de la fumée, c'est sûr et certain. C'est pour ça que les objets sont durs à voir. Puis quand tu plonges, bien sûr, dans la fumée, ben, c'est exactement ça que tu vas avoir la chance de voir. C'est. Hey, là, t'as une minute. Je vais vous montrer sur la mission de la NASA les objets comme que je vous montre sur la Lune, là. Très semblable. On va voir en grand détail les supposées créatures sur la vidéo de la NASA et je vais faire un extrême. Forte magnification et on va analyser, on va mettre des filtres de couleur pour voir exactement c'est quoi que la NASA a capté. Ces créatures que la NASA a montrées sur leur mission STS-75 prouvent que les créatures que moi je montre sont peut-être même probablement les mêmes créatures. On parle d'une illumination, ils disparaissent aussi, ils s'illuminent plus fort, ils viennent plus. Intense en lumière, il vient moins intense en lumière. Ils ont des rotations pour se promener dans l'espace. On les voit changer de forme. On les voit changer de direction. Puis ça, bien sûr, là, on n'a pas rien touché à la NASA encore. C'est toutes mes recherches moi-même sur la Lune et différentes formes de lumière qui se promènent. On dirait carrément des fantômes, hein, sur la surface. Mais moi, j'aime les capter pour les partager parce que, regarde, chaque événement est différent. Ici, on voit une fumée tout près de l'OVNI ou la créature, peu importe, pendant qu'il passe. Puis je vous le dis, là, quand j'ai vu ça, le STS, la mission de 75, c'est ça qu'on va voir là, présentement, on s'en va voir ça tout de suite. Vous allez voir un aperçu de la vie qu'il y a là, hein, les organismes qui se promènent. Là, on a de l'air dans le fond de l'océan, là, puis c'est pas des faces. Regardons ensemble. Chaque créature a une différente intensité d'illumination. On les voit même apparaître, disparaître.
Là, ça commence à devenir intéressant. Écoutez, comme il faut, s'il te plaît. Celle-là est très, très claire. Elle est illuminée. Tu vois, comme une lampe, hein, elle s'illumine, elle s'éteint, elle flash. Et en même temps, il y a un point noir qui apparaît dans le bas avant d'apparaître dans le haut. Puis je vais vous le montrer ici avec un cercle alentour, des flèches, des indications. Il y a un point noir là sur l'objet. C'est drôle parce qu'il y a des points noirs aussi sur mes ovnis, sur la Lune. Mais là, regarde, il va changer d'endroit, le point noir. Il va quitter le haut, puis il va s'aventurer dans le bas. Et là, maintenant, c'est le point noir ou le triangle, ou peu importe, comme qu'on voit dans le bas, est plus dans le haut. Est-ce que c'est leur moyen de changer de direction? Parce que je vais vous aussi montrer un de ces objets-là en train carrément de changer de direction. Là, je sais pas si vous le savez, là, ils sont fluorescents, là, ben raides, là. Hein? Ils ont une illumination. On dirait que c'est des cœurs qui se promènent, hein? Ou des poumons. C'est spécial. Regardez ça. T'imagines ça, là, ça serait tout pris après les vaisseaux de la NASA s'ils iraient sur la Lune, hein? Sans devoir ça à retomber, 2 000 à 3 000 de large de même, là. Fait comme un pépita qui enveloppe le vaisseau spatial de la NASA, là. En réalité, là, on n'en a aucune idée qu'est-ce que ça peut être. Mais je sais pas, honnêtement, c'est des créatures biologiques pour moi. Ou bien c'est carrément des ovnis qu'on est en train de regarder. Mais c'est très spécial. Là, on va finir l'image de la NASA. Puis pour 2 secondes, je vais juste replonger dans mon travail. Regarde les lumières hein, sur le sol. Aussi en même temps, cette pointe noire aussi qui apparaît toujours devant. Ben pas toujours, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques que certains ovnis sur la Lune, je vois, qui ont des points noirs comme ça. C'est comme s'il y avait une flamme en arrière, comme si le point noir, ce serait l'ovni. Ou peu importe, la créature, ovni, je sais pas. Hein? C'est plus comme un ovni pour moi. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, là, le STS, la mission 75, là, ça vous fait pas penser à ceci? Ça, c'est aussi mon travail. Regarde les objets ou les créatures se contracter et se décontracter. Ils se contractent et se décontractent. Tu vois le cercle dans le centre qui ouvre, plus gros, qui ferme. Et en même temps, on le voit s'avancer. Et pendant qu'il s'avance, ça s'étire. Puis tout ça, c'est sur la surface de la Lune. Puis, soit que ces deux objets, ou si je ne me trompe pas, c'est son ombrage à côté. Retournons à la mission STS-75 de la NASA et nous allons voir un changement de direction clairement et assez rapidement. Regarde l'objet qui se promène vers l'est qui va rentrer. Dans l'image, juste là, dans le cercle, et regarde comment rapidement qu'il va changer de trajectoire pour descendre par en bas, qui va passer à côté, tout près de ce morceau ou en ligne avec ce morceau que la NASA a échappé. Nous pouvons voir une rotation qui semblerait-il que l'objet tournerait. Soit comme une horloge ou sens contraire d'une horloge, tu peux le voir faire spirale, puis en même temps une illumination, l'objet flash pendant qu'elle traverse et sort de l'image. On a descendu l'exposition du vidéo et en même temps,
rajouter un filtre vert.